Hey yo les gens, c'est Lily 26, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et non, on n'a pas besoin de ça. On était bloqué dans l'hôpital, on savait pas quoi faire. Bon bah du coup on va rechercher ce qu'il faut faire. Alors, re les gens, merde, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. En fait, je suis conne, tout simplement. Car bah, j'avais mal lu quand on a été chercher les armes et le gars, il a, enfin le petit Mogeko là, il a dit qu'il fallait repartir en fait. Parce qu'on avait toutes les armes pour aller défoncer ce monstre qui est dans l'autre porte. Voilà. Voilà. Très irritant. Ah, bordel. What the fuck? En gros. Où est-ce que tu allais? Je vais t'attraper. Oh, t'as fini? Mogeko. Mogeko a une bonne idée. Il me fait peur. Quel long couloir? Nice? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais comment le. Cet étage, il y a un truc spécial des Mogekos. Comme ah, il y a à chaque qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le chaque couloir pour les Mogekos. Comme le Mogeko étrange et le fait prosciutto, pas vrai? Oui. Je pense que je devrais te dire que l'histoire de la création de ce château. Il était une fois, je pense. Il y avait une personne seule. Pour compenser sa solitude un peu. Il faisait un château tout seul pour lui-même. Il est devenu le roi de ce monde. Cette île, je sais pas. Un château. Un royaume a besoin d'un château pour son roi. Donc le roi a fait. Alors, on a fait un au centre. C'est le château. Mais il n'y avait rien dans le château. Juste un monde de rien. De rien. Ah. Le roi a pondéré. Et il a fait 7 Mogeko. Ils ont tous quelque chose de spécial. Il en a mis un à chaque étage pour servir, pour être le gardien de l'étage. Eh bien, le roi a fait plusieurs Mogeko et le monde devient plus occupé. Le roi a regardé. Et il était vraiment satisfait. C'était le Genesis du château Mogeko. C'est bien, je pense. Mais le roi qui a fait ce château, qui est-ce exactement? C'est Mogeko.
Il peut pas choisir des noms plus originaux. Une autre différence? Oui. C'est très confus. Ne te plains pas à moi. Genre, lui, c'est Mogeko, mais genre, le M minuscule, tu sais. J'aime pas du tout ces couloirs. Je suis perdue. Bah, suis nous, hein. C'était pas content. Ah ouais, j'ai très faim. Tu veux du prosciutto? Non! Oh, il est très borné. Mais c'est tellement... C'est tellement mignon, Mogeko défectueux. Vous pensez la même chose que moi? Elle est en train de devenir amoureuse de du Mogeko défectueux? On en parle ou pas? Cet endroit est bizarre. Oh, comme tous les autres, je pense. Ne me dis pas ça. Je sais pas, j'ai pas trop compris, en fait. Bon. Ils sont tous morts. J'aime pas ça. Très fatigué. Ah, essaye de rester éveillé. Arrête d'être trop mignon. Oh, mais Yonaka, elle va se calmer là. elle va vraiment se calmer parce que là, ça devient trop chelou. Hein. Genre trop mignon et tout. Et tu vas pas bien, ma pauvre. Oh, mes amis sont en cage. Je veux les aider. Mais je ne sais pas comment ouvrir ça. Bah, il y a un bouton. J'ai peur. Hein. Je vais essayer. Merde. Je vais sauvegarder. Voilà. J'ai peur. Ça ne marche pas. Et merde. Moi qui voulais être... Moi qui voulais être gentil, eh ben non. J'aurais pas dû. En fait, ça ne servait à rien, mais c'est pas... ok. Bye bye. C'était chelou, genre ils sont tous... Ça devient vraiment chelou cet étage là en fait. Normalement on devait pas battre un monstre ou je sais pas quoi là. Miss? Quoi? Tu sais je... C'est l'heure du manger. Bonjour, pouvez-vous m'entendre? Cette voix, Mogeko. Événement public service. Capturer la lycéenne et le défectueux. Hein? I'm so bad. Ils sont tellement nombreux. Ah! Miss, cours. Non, pas encore. Mogege. Je vais encore laguer mon PC. Je fous de ma gueule. Oh non, putain, encore un truc. Moi, je pense ça.
Alors, c'était droite, tout droit, droite, gauche. Je suis sûre que c'est genre la même chose à chaque fois. C'est pas fait chier. Putain, non, mais c'est un gros troll, le gars, c'est obligé. Je sens que je vais m'embrouiller en plus. Encore au milieu? Attends. Oh, je suis jamais arrivée. Alors, tout droit. Droite. Gauche. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Alléluia! Oh merde. Pardon. La meuf, elle pète un câble. Bon boulot d'être venu à moi. Alors, Mogeko a préparé un beau cadeau pour vous. Pour toi. Prends-le, prends-le. N'appuie pas sur ce bouton, connasse. Pas question. Pourquoi ici? La cage va bouger, Mogegegege. Maintenant. Stop! Non. En gros. Pas question. Ah oui, ça doit être le monstre, non? Je suis aussi traumatisée que toi, Yonaka. Ok, mon petit mignon monstre, mon monstre petit et mignon. Mange-les. Mange. C'est chelou. J'aime pas du tout. Ah, je ne pense pas. Monsieur Mogoko défectueux, ça a l'air bien trop lourd pour, bien trop gros pour toi. Ne dis pas des détails, Miss. Tiens, monstre. Quoi? Ah bah... Il est sérieux, ce gars. Non? Et merde. Skill spécial. Mogeko. Merde, comment on dit? Bouclier. Voilà. Miss. Je pense qu'il faudrait courir. Eh? Tu as dit que tu l'écrabouillerais avec ça. Désolé, ça ne marche pas. Pas question. Oh, tellement inutile. J'ai vraiment. Allez, go monstre. Va monstre. Miss, cours! Tu ne peux pas courir de par moi. Au calme. Bye bye.
tellement facile. Combien de mètres avons-nous besoin pour courir? C'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Ce n'est pas... ce n'est pas inspiré, je ne sais rien. Non! Quelqu'un nous aide! Par ici! Hein? Vite! Oh, il est trop mignon! Bien, ils sont partis. Elle est trop chou. Mauve furu. Est-ce que ça va? Honte à toi. Comme si je venais d'être mangée par un petit truc comme ça. Miss, c'est Mauve furu, le Mogeko spécial de cet étage. Je pense que je vois la situation. Je vais te guider jusqu'au sixième étage. Merci, Mauve furu. Une fois qu'on y sera, le septième étage est juste à quelques pas. Et qu'est-ce que... Et what about you? Et toi, est-ce que tu vas partir avec cette fille? Je n'ai pas vraiment pensé à ça. Je vais peut-être aller voir les environs... dans l'autre monde. Je vois. Toi, la petite fille, Yonaka, n'est-ce pas? Yes. Oui. Oh oh. Tu as beaucoup survécu tout ce temps. Eh bien, monsieur Mogeko défectueux m'a aidé. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Qu'il t'aime un peu ou je sais pas. Ta gueule. Oh oh. Oui, bien. Être sur ce chemin. Je sais pas. Ils sont chelous. Il est trop mignon. Là. C'est quoi ça? Mofuko. Fluff. Mais ils sont trop choux. Mofukos. Alors ils ont été infectés par les... Par des trucs fluffy quoi. Parasites. Oh. Quel est ce genre de... C'est très contagieux. Et ça n'infecte pas... C'est tout ce qu'il vient de dire... En gros, ça n'infecte pas les humains, ni le... Oh, le septième spécial Mogeko. Et Monsieur Mofuru. Bon, allez, on s'en fout. Oh, et puis il me bloque. Oh, ça m'énerve. What? Je crois que je fais de la merde. Il a été dans la bouche de Yonaka. Hmm?
c'est dans moi. T'es dégueulasse. Il va tout bouffer. Normal. Putain, mais crève, c'est bon. Non, mais c'est pas la peine de faire des cris, c'est bon, on a compris que t'étais morte, quoi. My goodness. Mauvaise fin numéro 5. Parasite. Putain, mais j'en ai marre. N'importe quoi, ce truc. Bon, bah... Du coup, c'est une mauvaise fin. Bon, elle était mignonne, moi, je trouvais. Casse-toi! Ok, d'accord, il se... Mais il va te faire foutre. Ok, d'accord, elles sont toutes là. Je sais même pas à quoi ça. Je pense que je me demande comment serait monsieur Mogeko défectueux s'il était fluffy. Et ne va pas imaginer des trucs comme ça. Ah merde. Bon, je pense qu'on va arrêter cet épisode-là. Je pense qu'il aurait duré 3000 ans. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.